Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo pour vous aider à bien préparer la colo en Crète qui arrive pour bientôt. Je suis David Reynaud, le directeur et animateur pendant le séjour. Il y aura aussi Harmonie et Laetitia, deux animatrices pour 15 jeunes. Les dates, donc du 15 au 29 juillet, le rendez-vous du 15 sera à 19h à l'aéroport Paris-Orly Sud au comptoir de Transavia. Essayez de vraiment être à l'heure à 19h et même un petit peu avant, s'il vous plaît. Le jour du retour, nous atterrissons à 6h25, donc le rendez-vous est fixé à 7h au même endroit, à 7h. Les rappels importants aussi pour le jour du départ, bien penser à amener sa carte d'identité ou son passeport valide, bien entendu. L'autorisation de sortie de territoire remplie et signée par les parents. Et enfin, la copie de la pièce d'identité du parent autorisant la sortie de territoire. Dans l'avion, évidemment, pas de liquide ou d'aérosol dans le petit sac à dos. Et pensez à prévoir un petit pique-nique pour le soir que nous prendrons en attendant le décollage. Je le redis une dernière fois, soyez vraiment à l'heure s'il vous plaît, parce que sinon après ça va être un peu compliqué. Voilà donc pour les informations de rappel. Maintenant, je vous propose un petit tuto comment bien préparer son sac pour partir en colo. C'est parti. Ce séjour est itinérant. Ça veut dire qu'il faut partir avec vraiment l'essentiel car on va devoir porter son sac souvent. Donc, partir léger, c'est super important. Et en plus, on part dans un pays où il fait chaud, même la nuit. Donc, inutile de se surcharger. Ne prenez vraiment que l'essentiel. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que moi je mets dans mon sac à dos. N'oubliez pas que le premier jour, vous aurez déjà une tenue sur vous. Donc, à prendre en compte. Je vais prendre 4 paires de chaussettes, 4 caleçons, une chemise, 4 t-shirts, un maillot de bain que j'aurai très souvent, étant donné qu'on va se baigner tous les jours, même pendant le trekking, un autre petit short pour le reste du temps, un pantalon en toile léger, une polaire légère aussi pour les soirées fraîches, une petite serviette en microfibre pour la toilette et même pour la plage, un petit oreiller gonflable, ça c'est mon lit pour un peu plus de confort, un tapis de sol gonflable aussi, ainsi qu'un sac de couchage. 15 degrés, c'est très bien, de la même marque que je ne citerai pas. Une casquette pour éviter les insolations, surtout pendant le trekking. Une lampe frontale rechargeable, très pratique le soir aussi. Ça, c'est ma trousse de toilette avec juste l'essentiel, c'est-à-dire pas grand-chose. Mes chaussures, alors des tongs tout simplement, ainsi que des chaussures de randonnée, forme basket, mais surtout avec une bonne semelle, car on va éviter de se blesser les pieds, évidemment, c'est mieux. Mes lunettes de soleil, indispensables aussi, et mon petit matériel électrique pour recharger mon téléphone, à savoir un panneau solaire, c'est pas obligatoire, ou une batterie multicharge ainsi que mon chargeur habituel. Tout ça devra faire à peu près 7 voire 8 kilos et tout rentrer dans mon sac à dos que je vais porter pendant ce séjour. Un sac à dos de 45 à 50 litres, 60 aussi, c'est bien si on n'est pas obligé de le remplir. Confortable avec une bonne armature. Un plus petit sac à dos qu'on utilisera pour le voyage dans l'avion et puis pour les petites balades à la journée, pour mettre l'essentiel aussi. Et ma petite banane ou sacoche pour mettre mes petites affaires. Voilà, donc avec tout ça, normalement, vous allez passer un bon séjour et puis surtout, vous ne serez pas trop chargé et vous apprécierez encore plus. Voilà, je vous souhaite un bon préparatif. Et à bientôt, donc le 15 juillet à l'aéroport. Bye bye, salut tout le monde.